C'est parce que je fais les plus beaux headbangs du monde qu'on m'appelle le Jax. Je suis trop jalouse. Donne-moi la marque de ton shampoing. Non, c'est un secret. Sauf si Audrey me brosse les cheveux pendant un mois. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas digne de brosser une telle crinière des dieux. Nous vite avant de nous évanouir. Même les licornes en sont jalouses. Hé, hey, Magnum, lumière. Excuse-moi, j'avais mal entendu. Je t'ai demandé une bière, connard! Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Tu veux quoi comme bière? Une blonde? Une brune? Je m'en branle! Sers-moi cette foutue bière gratuite! Mais je crois que ça va pas être possible. C'est seulement pour les filles. Tu vas me servir sur le sang avant que je te défonce ta gueule! T'enflamme pas, l'ami. Je vais te l'offrir, ton verre. Je t'ai pas soigné, Barbie. Va t'épiler le maillot. Je l'ai fait ce matin, c'est tout doux. Sinon, tu le veux ou pas, ton verre? Mais Jack, c'est pas possible. Tu sais très bien que la maison fait pas crédit. Oh zut! Vous me gonflez, bande de merde! Tous les deux! Vous allez souffrir mille tourments! Arrête de crier, j'ai peur. Et tu me frappes pas, par pitié. Pas mes cheveux! N'abîme pas mes cheveux! Vous êtes finis! Finis! Je vais réduire vos vies en cendres! Vous me supplierez de vous achever! Wow! Ça s'est pas du tout passé comme ça! Eh, mais j'y peux rien, moi! C'est la version que la geekette m'a donnée. Version qu'elle tenait de Ruji. Ouais, bah c'est n'importe quoi. Sans blague. Ah, commencez pas à vous prendre la tête tous les deux. Je vais vous la raconter, la vraie version. Et c'est depuis ce jour-là qu'on me surnomme le Jax. Mais comment tu t'es démerdé pour qu'un pompier veuille te buter à la hache? Je réponds à ta question si tu prêtes ton costume à Audrey. Si j'enfile ça, tout le monde saura pourquoi une pom-pom girl t'a buté à coups de hache. Allez, on se casse. Au lieu d'écouter ces histoires à la con. Mais je mens pas, putain! J'ai vraiment arrêté la hache avec les dents! Hé, hey, barman! Une bière, s'il vous plaît! Redis un truc là pour voir. J'ai demandé une bière quoi. Oh putain mais t'es sérieux là, c'est ta voix ça. Ouais, et je veux ma bière gratuite. Oh tu sais lire, c'est gratuit pour les filles. Les filles. Je veux ma bière. Je me suis pas déplacé dans ce bar pourri pour rien. Hé, hey, peu de respect pour ce bar. T'es pas sonné, Patrick Rahan. Va pisser dans ton bain. Oh bordel, c'est ta voix ça? Tu serais pas chanteur d'un groupe de death metal? Ah pas mal la blonde! Pour la peine, je te parle une bière. Cool. Je vais vous apprendre à vous foutre de ma gueule! Préparez-vous à vivre un enfer! Ma vengeance sera... Ferme-la, tu nous les casses. Ouais, barre-toi au lieu de balancer les menaces dans le vent. Je vous retiens tous les deux! Et tous les autres aussi! Chacun d'entre vous subira mon courroux! Limite, j'ai de la peine pour Yuji. C'est dingue. Tout ça pour ça. Tu sais, quand je repense aux geeks qui nous ont pourri la vie pour des objets magiques, je me dis qu'il n'y a rien de surprenant. Des objets magiques? Pour de vrai? Si j'étais étudiant à Poudlard, je t'aurais dit oui. Mais non. Objets magiques, dans leur jeu, sur Dan Goblin. On s'en bat les steaks des détails. Tout ce qui compte, c'est qu'on les ait poutrés, ces foutus geeks. On est des métalleux. On est invincibles. Ah ouais? Même?
Ah ouais, non, c'est foutu, gros. Pas foutu. Très mal parti. C'est sans compter Alan, qui est toujours interné en HP aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Rien pour le moment. Notre priorité, c'est de mettre la main sur Yuji. Ok. Et comment on le chope, ce connard? Eh, les métalleux, allez pas vous faire un AVC? On s'est occupé de Ryuji. Quand? Comment? On regarde pas, ça. Et puis en passant, si vous consommez pas, barrez-vous! T'excites pas, bud. Continue à passer ton balai. Avant qu'on se casse, j'ai quelque chose à demander à Audrey. Facile ce morceau, y a pas de quoi se la péter. Putain, il déchire. J'aurais presque mon caleçon qui colle. Ça doit faire super mal aux doigts. Bébé, veux-tu m'épouser? Oui. Oh, on n'est pas dans la merde, à tous les coups ils vont vouloir se marier ici. Il manque un truc. Bague de mariage? Bah, je suis un peu juste en ce moment. Moi aussi, j'ai une annonce à vous faire. Je suis enceinte. De qui? De Bud. Bud? Quel Bud? L'autre con là-bas? Oui, celui-ci. Mais chut, dites rien pour l'instant. Comment c'est? Je reformule. Quand est-ce que c'est arrivé? Pendant la soirée rétro. Il est bien ton costume, hein? Tu vas bien sortir ton QTS, ça. Hein? Merci, t'es trop mignon. Yeah. Excellent. Oh, oh. Yeah. Excellent. Oh, oh. Yeah. Excellent. Oh, oh. Alors, c'est qui le patron? Je suis sur le cul. Tu comptes le garder? Faut voir si Bud est d'accord, mais pourquoi pas? Mais je me demande, vous aviez pas mis de capote? Ben, j'avoue qu'après la troisième fois, j'ai plus fait attention. Je crois que je vais vomir. Bon, je serais bien resté fêter ça avec vous, mais il y en a qui bossent. Moi aussi, je vous laisse. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Bud. Hey, ça te dit pas qu'on consomme notre nuit de noces avec un peu d'avance? Toi, on peut te faire parler aux femmes. Je peux mettre une chemise hawaïenne si tu veux. Ah, très drôle. Mais viens. Bud, t'as 2 minutes, j'ai un truc à te dire. Ouais, moi aussi. Mais avant ça, j'en ai marre de vous voir ici, hachés tous les deux, toute la journée. Ça mine le moral. C'est marrant. J'imagine même pas à quel point on est dans la merde. Vas-y, j'imagine très bien. J'en ai mal au ventre tellement que ça m'a fait rire. Allez, tirez-vous.
j'allais te dire un truc super important. Ah oui, moi aussi. Regarde ça. C'est quand j'ai gagné mon deuxième titre de champion du monde de barman. C'est hyper important, Ben. Ouais, on s'en fout. Et cette photo a été prise directement après ma victoire contre Axel Logan. C'est abruti, il avait cru marrant. T'as voir avec son cocktail à base de jus de prune. Ouais, super. Resserre-moi encore ton histoire, encore une fois, ça me casse les couilles. Tu sais quoi? Je préfère aller aider Baggy en cuisine. Enfin bref, j'avais opté, moi, pour mon... Je suis enceinte et c'est toi le père. Tu viens me dire? Je suis enceinte et c'est toi le père. Mais c'est génial! C'est vrai? T'es content? Attends, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, après ma seconde victoire au championnat du monde de barman. Alors, tu veux qu'on le garde? Évidemment. Hey, Sid! Quoi? Tu vas avoir un gosse? Tu vas faire câlin, papa. Viens là, viens me faire du bien. Je vais annoncer la nouvelle à ma mère, je reviens. C'est bien. Merci. Allô maman? Oui, c'est moi. Super bien, ouais. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. T'es bien assise? Chance. Défendu. Comme d'hab. Ah, bordel la queue! Tu t'es fait mal? Ouais, j'ai encore marché sur un jouet d'Alan. T'es si fou là d'ailleurs. Il a dû l'oublier la dernière fois qu'il est venu. J'espère qu'il va bien. Off, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'en HP, il est comme un poisson dans l'eau. Tu penses pas ce que tu dis? Bah si. Ton meilleur pote est en HP, toi, t'en balances? Je m'en balance pas, mais c'est un barjo avec d'autres barjos, il est dans son élément. J'en crois pas mes oreilles. Moi, par exemple. Je préfère être enfermé avec des métalleux qu'avec des hipsters, c'est logique. Ah mais lui, il est en hôpital psychiatrique, il est pas enfermé au Hellfest. On peut pas être enfermé au Hellfest, c'est en plein air. Merci Captain Obvious, j'avais cru remarquer. Faudrait qu'on y retourne, c'était terrible. C'est vrai. Bon, je vais faire des courses. Pizza? Yep. À tout à l'heure. Moi, je vais mater un peu de catch. Ouais, maman, c'est moi. Oui, je vais bien. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Non, je vais pas quitter Jax. Et j'aurai pas cette conversation une énième fois avec toi. Bon, maman, tu me gonfles, là. Je comptais te dire avec tact, mais tu me laisses pas le choix. Je vais me marier avec Jack. Vegeta, c'est pas mal comme prénom. Non, c'est trop connu. Trop connu. Drasik. Drasik. Trop australien. Boba Fett, ça claque. Alors, Boba Fett, c'est mieux que les autres. Mais je suis pas totalement convaincu. On peut quand même pas chercher à l'appeler Chandler. Crève Chandler Bower. Mais ça claque, ça. D'accord, très bien. Donc, si c'est une fille, tu l'appelleras Crêpe. Non, si c'est une fille, j'ai déjà choisi. J'appellerai Buffy. Ah, pas mal. Ou Xena. Oh, joli. Joli.